Allô, mon nom c'est Farah Libé, je suis ingénieure en aérospatiale et je suis tellement fière de vous dire que je suis ambassadrice pour la Maison des sciences de Québec. Oui, je veux m'impliquer là-dedans. Puis pourquoi est-ce que ça m'excite un projet comme ça? C'est parce que pour moi, les musées, les maisons des sciences, ce sont des endroits qui permettent d'émerveiller les gens, les jeunes et les moins jeunes. On peut apprendre, on peut découvrir de différentes choses, des choses inattendues. C'est là où on développe notre curiosité. C'est là où on apprend que la science, c'est pas si compliqué que ça, en fin de compte, et que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pouvoir aider à offrir ça aux jeunes de Québec, mais aussi aux jeunes qui viennent visiter la capitale et aux moins jeunes, c'est un extrêmement beau cadeau qu'on peut faire. Je vais vous dire que je sais qu'on est en pleine campagne de financement. Cette générosité-là, ça va aller non seulement vers justement la Maison des sciences, vers le développement du contenu, mais aussi ça va permettre à rendre cet endroit-là plus accessible. Je pense qu'avoir un endroit justement qui est accessible, que ça soit à tous les niveaux socio-économiques, mais aussi à différentes personnes, à différents types de personnes qui apprennent de manière différente, c'est extrêmement important. Quand on investit dans la science, quand on investit dans l'éducation, on investit dans notre avenir, dans la génération de demain. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut laisser à la prochaine génération. Donc, super excitée de faire partie de ce projet-là. Je sais que vous êtes excitée aussi. Je vous remercie pour votre générosité. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air dans quelques années.